D'accord, ça fait ça. On se fait interroger en fait. On a plein de questions cheloues. D'accord, et on a vraiment pas le droit de. Je vais passer par là, d'accord. Désolé, nous les veuves nous aimons pleurer ici. Hein? Bouh. Bouh. Ouais. Tiens, bah, prends ça. Il va falloir trouver plein d'objets. Tu prends vraiment des risques. Hey, je ne fais que passer par là, d'accord? Si vous n'avez pas d'eau pour mes plantes, vous n'avez rien à faire ici. Oui. D'accord. Très bien. En fait, c'est un peu des senseurs. Hein. C'est ça. C'est un peu les senseurs du. Putain de merde. Ces ongles. C'est vraiment le bazar. Bah, c'est la tête du gardien. Ouais, you gain? Dégage, petite fille, tu nous gênes. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Oh là. Un million de points de flèche. Putain, mais il y en a plein. Il y a plein de petites filles. Putain, je suis perdu. D'où je viens? Je sais pas. Je viens de là-bas. On sait plus où on est. Est-ce qu'il y a quelque chose? Points de flèche. Je m'en bats les couilles des points de flèche. Nous, on va avancer, bordel. On a besoin d'objets. On est bloqué sinon. Bonjour. Ouais, une étiquette. Ah, le sac marin. Je crois que ça, c'est les pires ongles de caméra, ça. C'est clairement les maisons avec les pires ongles. Non, attends. Si je vais par là, je reviens en arrière, c'est ça? Non. Si je vais par là, je reviens vers le cimetière. Ah oui, ok. Oh, allez, je suis un peu perdu, moi aussi, t'inquiète. Non, je disais ça parce qu'il y a une espèce de... Oui, ça, on n'a pas vu, ça. Ouais, c'est pour ça, je savais plus où on était. On va peut-être trouver un objet, ici. S'il vous plaît. Bonjour. Tiens, on te fait peur. On dirait tant. Ouais. On arrive à le suivre. Où va-t-il aller? Je veux voir ça. Ok. Il est parfois possible d'utiliser la clairvoyance sur un objet pour découvrir ce que voit son propriétaire. Il suffit de tenir l'objet en main et d'utiliser le pouvoir de clairvoyance. Ces objets se portant bien à la clairvoyance sont trouvés dans l'inventaire d'une robe spécifique. Donc là, je peux faire ça et pouf. Ah oui, comme on a... Alors, je vois pas à quoi ça peut servir là dans l'immédiat. Je peux pas du tout passer. C'est un peu le bazar cette zone quand même. Ah. J'aime tailler. Ah, même ça. Mais. Je ne capte rien. Non. Pas rien. Je dois sûrement être hors de portée. Tu vas pousser, gamine. J'en ai marre. Ça y est. Tiens, c'est bien. En plus, t'enlèves des toiles mentales dans des maisons qui contiennent rien. Ouais, mais toiles mentales, ça permettra de d'améliorer notre rang. Oui, tout à fait. Heureusement. Mais hop. Quoi, toi? Quasiment. Bon. Et quoi, tu nous... Ouais, un bout de... Un bout de route. On est perdu. Pourquoi pas? Et on est perdu, messieurs dames. Où sommes-nous? Oui. Regarde, ça donne ses ordres là. Tiens. Ferme-la, petite fille. Mais. Excuse-moi, mais je cherche où il l'était. Arrêtez de me parler! Vous allez m'attirer des ennuis!
D'accord. Un plaisir de discuter avec toi. Des fouilles de maison, de complètes. Heureusement que c'est pas très long, hein. Alors, où qu'on est ? Là, il y a peut-être un objet, quand même. Donc ouais, avec le téléporteur, on peut retourner dans l'inconscient collectif. Ouais. Maintenant, on peut direct retourner au tour mental. Oui. Ce qui est pratique, étant donné que Sacha n'est plus dans son labo, tout de même. Ah. Non. On est full. Putain, mais même là, il y a des... Il y en a beaucoup, en plus. C'est bon. Alors. Il y a quoi dans la voiture ? Ah, il y a l'arrosoir. Il y a l'arrosoir. J'aime arroser les fleurs. Zin. J'aime arroser. Oui. Ah. Ici, on aura un code. Voilà qu'on commence à avoir des digicodes maintenant. Ouh, ça va être génial. Alors, faut retrouver où était... C'était par là. La zone avec l'arrosoir. C'est... Voici mon arrosoir. Je m'en sers pour arroser les plantes. Qu'est-ce que je vois là ? L'oiseau. Peut-être. Non, j'en sais rien. Oh là, je suis perdu. Où suis-je ? Là, où là. C'est un très bel arrosoir. Ouais, je sais, Hugo. Combien je l'ai payé ? Rien du tout. Rien du tout. Je l'ai trouvé. Je l'ai volé dans une voiture. Alors. Ok, ok. Attends, puis après tu me montreras la vision. Ah, on roule pas ici. Ah, on va pouvoir récupérer le trophée. Oh là, oh là. Waouh, des points de flèche. Oh, attends, ne pas oublier. Où est mon arrosoir ? Oui. En ressortant le. L'arrosoir. Puis je vous demande. Vas-y, ta vision. Ta vision. Ah oui, ouais, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Ok. Oula. C'est bizarre le saut là. Ouais. Je dois éviter les bouchons et cet appareil est l'un de mes outils. Oui. Yep. Je suis d'accord. Yep, c'est bien à ça que ça sert effectivement. Alors c'était quelle maison ? Là-bas. Oui. Je pense que c'était ça. J'aime tailler les haies. Je suis content que vous soyez venu m'aider à tailler ces haies. Ouais, c'est bien. Je prépare une tarte. Bonjour, bienvenue dans ma maison. Restez donc faire une tarte. Je connais de bonnes histoires. Alors, c'est des munitions. Montez. Je prépare une tarte. J'espère que... Ah, on a augmenté notre nombre de munitions. Oui. Vas-y, vision de pâtissier. Mais alors, ça m'a... Au fil du temps. Bah, à part ça... Oh merde, je vais zapper. À quoi servent ces luthiers ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ? Pourquoi avoir ? Que vous a dit cet arc-en-fiel ? Pardon, on s'est planté. Du coup, j'ai pas vu la tête du petit. Ah mince, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout. Ah, j'y retourne. Attention. Et je suis content que vous soyez tailler les... C'est vrai que je me rappelle que c'est. Oh, je suis trop mignonne. Bonjour. Bah attention, oui. On prend bien. J'aime tailler les haies. Oui, on sait. Surtout les tartes. Lui, il est toujours autant bugué. Surtout les tartes citron meringuées. Attention. C'est délicieux. En fait, je me demande si j'ai pas oublié un truc. Ah oh, bah sûrement, mais regarde ce bordel. Oh là là là. C'est de voir, de me balader. Je pense qu'il y a un truc qu'on a oublié ici, je sais pas. Rien. On va récupérer la plume. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plume ? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la plume ? Ok, ouais, je vois les... La vue du... Corbac. Oui. Que nous indique le Corbac ? Ah, ou alors il faut chasser le Corbac ? Et suivre sa vision. Mais alors où il est ? Je suis tellement perdu.
couvée-tu. Oh là là. Là, c'est fini, hein. On fera plus un monde en une session. Là, c'est vraiment le chaos. Attends, on va aller là. Peut-être qu'il y a des trucs. Ouais, peut-être. Ah, non, mais... Je sais que c'est tentant d'aller plus vite en utilisant ta... Putain, regarde-moi cette bribe cachée, là. Tu t'es obligé de mourir, ça. C'est complètement con, t'es obligé de mourir. Il n'a pas voulu. Où suis-je? Ok, je suis là. Oh là là. Je suis tellement à l'ouest dans cette zone, c'est horrible. Solus. Non, on va y arriver, on va y arriver. On dira, on a déjà fait appel à une Solus pour le boss du Deep Nest. Oui, c'est vrai, parce que ça... J'étais un peu bloqué. Bon. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans cette zone? Hein? Je suis pas sûr que c'est bien normal, ça. C'est vraiment pas normal, ça. Ding. La porte... Mes amis, la porte est ouverte. La porte... Mais je croyais qu'il fallait un digicode. Ouais, non, là, la porte, je crois elle a eu un... Un problème, là. Je crois qu'elle s'est sentie un peu mal. Hein, oui. Tu connais cette vie, hein, finalement. Alors, rendez-nous cette vie. Yeah, nous avons perdu pour aller chercher une pauvre bribe. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je vais revenir en arrière, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Peut-être une voiture que t'as pas examinée. Ouais, peut-être. On sait rien. Je suis un petit peu perdu. Hein. J'ai un téléphone spécial. Oui, c'est bien. Je suis un cantonnier. Voici mon je suis un cantonnier. Merci. Ah mais la route elle est dégueulasse. Attention, chantier. Monsieur le gardien, on comprend pas. Au secours, au secours. Putain. Pourquoi votre maison est-elle autant de travers par rapport aux autres? Oh. Ah bah merci. On peut pas rentrer dans les garages. Oui, bah le panneau on l'a vu dans la première voiture. Ouais. D'accord. Oui. Ou alors il y a un truc que j'ai pas vu au niveau des pâtissiers, mais bon. Non, pâtissier, il y avait juste plus de munitions. Ça m'étonne qu'on m'ait... Toi, t'es toujours aussi bugué. Hein. Ouais, je sais pas ce qui t'arrive. Attends, qu'est-ce que j'ai? J'aime tailler les haies. Je grimpe au poteau. Je suis content que vous soyez venu m'aider à tailler. Ouais. Je prépare une tarte. Bonjour, bienvenue dans ma maison. Restez donc faire une tarte. Je prépare une tarte. Rase, s'il te plaît. Je ferme le frigo. Attention. Ah merde, putain. Pardon. Bon, c'est pas grave, ça me fait pas perdre de vie. Oui, ça fait pas perdre de vie, ça fait pas game over en soi. Qu'est-ce qu'il m'a remis là? Il m'a remis là, putain. C'est un peu comme quand tu te fais toucher par l'eau, en fait. Bonjour, voici mon panneau stop. Voici mon panneau stop. C'est un peu le bazar. Il y en a, ils s'en servent comme si c'était une raquette. Toi, tu me fais peur, décidément. Purée. Vive le monde du laitier. Les égouts sont très importants.
Oui, on s'en doute que c'est très important, mais... Même si je sens les excréments, je mérite le respect, car j'apprécie bien ça. Non, toi, non. Je vais oublier ça. Non, on n'a pas ton étiquette, copain. On avait vu ce qui est derrière ou pas, je sais pas. On avait obtenu une autre étiquette. Tiens, bah, là. Hop, oui. Là, c'est bon. Lui, on l'avait vu. Oh, j'étais pas sûr que c'était lui. Ah, elle est là, ma copine. Allez, hop, on s'en va. Bonne chance dans ce monde chaotique. Mais alors, il y a quelque chose ici? Parce que ça sert forcément à... quelque chose, hein. Si on peut accéder... C'est à taper dans les tombes? On va essayer. Ça donne rien. C'est vraiment la misère. Allô, on veut ressortir par contre. J'aimerais que mon mari ne soit pas mort, mais vivant. Oui. Ça paraît logique. Oui. Bon, il y a un truc que j'ai pas vu dans un... J'adore, c'est un très bel arrosoir. Merci. Je vous demander combien vous l'avez payé. Rien du tout. On va tout péter dans toutes les maisons, là, ça commence à être relou. C'est un très bel arrosoir. J'aime arroser. Il y a forcément un truc avec le corbeau, hein, je te le dis. Hein, c'est la seule piste qu'on n'a pas explorée. Ouais. Parce qu'il y a des grilles, elles servent bien à cacher quelque chose d'important, j'imagine. Hein? Attends. La plume te guide au, à l'oiseau, tu penses? Attends, je vais tenter un truc en fait. Si c'est ça. Excellent. Oh! Cette porte, décidément, a un gros problème. Est-ce qu'on peut utiliser l'invisibilité? Non. L'invisibilité ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on avait besoin quand on a pas... On a besoin d'un mouchoir, ou je sais pas quoi d'ailleurs, pour le cimetière. On a les égouts à explorer, donc il nous faut sans doute une ventouse. Oui, une ventouse, et il y a le téléphone. Oui. Donc pour le moment, je pense que le ventouse et le téléphone, c'est pas le plus important. Je pense que là, ce qui me manque, c'est l'objet pour aller au cimetière que j'ai pas vu. Je pense que c'est le... C'est un bouquet de fleurs qu'il faut et... Ah, peut-être, ouais. Parce que j'ai vu des fleurs au fond. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs, il faut juste que je comprenne comment on passe. Ah, attends. Attends, c'était quoi? En fait, vu que j'ai la vision avec le corbeau, quand je passe la porte qui est là, ouais. Ça ouvre la grande porte. Ah bah dis donc. Je suis une veuve éplorée. Oui. Oui, d'accord. Je suis une veuve éplorée.
Ouais, bah, on va aller. Du coup, on va aller au cimetière. Je suis une veuve. Faut croire que les autres objets, on les trouvera. Ouais, tu veux te suicider? À quoi je ressemble? Ah, je vois que vous êtes triste. Je vais vous faire une place. Oh non, des fleurs, c'est pas comme ça qu'on s'en sert. C'est très bizarre ce que vous faites. Témoignent. Regardez-moi ces veuves. Pourquoi, mon dieu? Pourquoi? Pourquoi, mon dieu? Pourquoi? Je suis une veuve, moi aussi. Il est temps de mettre le feu. Oui, brûler. Oh, j'espère que personne ne remarquera ce feu. De mon bien-aimé. Les tiges sont trop épaisses. Le elles ne casseront pas. Plein de gens morts. J'aurais aimé que mon mari n'oublie pas de me nommer Bénédicte. Que faisiez-vous au cimetière? Êtes-vous une veuve éplorée? Où sont? Qu'avez-vous trouvé? Qui est le lit? D'accord. T'es obligé. Le livre que tu as trouvé est de la dynamite. Il fait tout éclater au grand jour. C'est vrai? Oui, je le savais. J'étais complètement à côté de la plaque, mais maintenant, j'ai compris. Ce bouquin venait de l'entrepôt de livres. Ils doivent vouloir nous faire croire que c'est là qu'ils veulent qu'on aille. Parce qu'ils croient qu'on pense qu'on sait qu'ils savent qu'on sait. Donc, on n'ira pas. Donc, je ne dois pas aller à l'entrepôt de livres? Bien sûr que tu vas aller à l'entrepôt de livres. Passe par les égouts. Surveille les surveillants et ce qui est radioactif. Et les exécuteurs. Je crois que certains égoutiers sont dans le coup. Tu vas avoir besoin de ça. Alors ça, ça me plaît. C'est un faux. C'est pour t'aider à t'intégrer aux autres assassins. Des assassins? Une minute. Prends garde. Vas-y. Le lait.